Tip les gens, aujourd'hui on va parler d'un truc pas marrant, la transphobie. Alors, la transphobie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de la peur irrationnelle des personnes trans qui nous induirait dans un état de panique complet et qui provoquerait une seule réaction, la fuite. Ça, c'est l'arachnophobie avec les araignées, par exemple. Mais c'est pas la transphobie. La transphobie, ça désigne tout ce qui regroupe la haine, le rejet, le mépris, la discrimination, éventuellement la peur envers les personnes trans. Tout ça, c'est un gros tas de préjugés que la société dans son ensemble encourage. Ne pas respecter les pronoms et les prénoms des personnes volontairement, c'est transphobe aussi. Parce que c'est du rejet aussi, et c'est parce que vous considérez que la personne n'est pas du genre qu'elle se revendique. Et tout comme considérer que par exemple une personne gay, en vrai elle est hétéro et elle se trompe, ça c'est de l'homophobie, considérer qu'une personne trans est pas du genre qu'elle dit qu'elle est, c'est aussi de la transphobie. Après si vous vous trompez et que vous vous reprenez, c'est pas grave, genre voilà, ça s'appelle se tromper. Mais le faire volontairement, c'est transphobe. Également, dans le cadre d'un entretien d'embauche, décider qu'une personne trans, ça va pas aller avec la clientèle parce que du coup ça va la perturber, c'est transphobe aussi, en fait. Parce que, enfin, voilà, si on part du principe que toutes les personnes trans, elles sont de fait essentiellement perturbantes et que ça va affoler toutes les personnes cis, au final c'est décider que les personnes trans, on s'en fout, elles peuvent aller crever, et c'est un peu dommage. Voilà. Tipou les gens!